200 TP C'est ça l'objectif de cette semaine 200 foutu TP <laughs> Bon, mis à part ça les amis, on est, <laughs> on est à deux doigts d'exploser le record européen des TP là Les groupes de Dubaï en sueur Je crois que le record il est à 139 TP dans, le... dans la francophonie, on est à 120 les amis. Je vais vous dire euh, ce que je vois sur le Bitcoin et surtout est-ce que notre entrée va passer? Est-ce que on va short? Demandez à un short si on va short! Bien sûr que non On va continuer de long. On va continuer de long. On va continuer d'encaisser. On va juste faire plus attention, notamment sur Bitcoin. Mais Ethereum, il n'a toujours pas touché la target finale qui est pour moi 2200 plus, donc jusqu'à 2200. En avant toute, on continuera de long. Voilà ce que je peux vous dire euh, sur Bitcoin. Donc Bitcoin, qu'est-ce qu'on a On a une entrée nous qui est juste ici. Ok, on a une entrée qui est juste là. Hop, notre entrée juste ici sur Bitcoin. Je ne sais pas si elle va passer. Je suis même pas sûr qu'elle qu passe en vérité. Je suis même pas sûr qu'elle qu passe. Je pense que simplement, si elle, c'est trop dangereux de buy là. Il y a une possibilité que ça fasse juste ça en fait. Vous voyez, hop, que ça fasse juste ça. Pardon. Tac, tac et tac. OK Ça, c'est possible, je dirais, à 50%. OK euh, Si ça fait ça et qu'on n'est pas sur Bitcoin, c'est pas grave. On a déjà un autre trade et j'en enverrai d'autres d'ici là. Maintenant, si le plan se réalise, c'est-à-dire qu'on liquide cette range, c'est une vue jour sur Bitcoin, hein, qu'on liquide cette future range, donc on le verra peut-être mieux en vue. 4 heures, voilà. Alors, on ne liquide pas toute la range, attention, hein, on ne liquide, liquide pas toute la range, mais vu le nombre de gens qui ont du FOMO là-dedans, euh, leur stop loss, elles les ont mis là, quoi. Hein, prix psychologique des 33 000. Donc, 32 000, euh, des 34 000. Donc, 33 700, 33 800, ça serait idéal. C'est ça le plan, hein, c'est ça le call que j'ai mis. C'est qu'éventuellement, euh, ça revienne là-dessus. Maintenant... Si je regarde le marché tout de suite, je n'ai pas l'impression qu'il va nous donner ça. J'ai juste l'impression qu'il y a un canal ascendant voilà, sur le marché et qu'il va y avoir un gros pump juste derrière. Voilà, c'est ce que je vois à l'instant T. Mais je n'ai pas envie de faire in qui que ce soit là-dessus parce que c'est trop risqué. Là, je ne peux pas. Euh, le trading, c'est prendre des risques mais mesurer les risques. Il euh, y a plus de risques à rentrer sur Bitcoin là que d'attendre. Et si on n'a pas l'entrée, bah, ce n'est pas grave. On aura autre chose. Mais en tout cas, j'attends, dans tous les cas, que ça rebondisse là-dedans ou que ça rebondisse là. J'attends un gros up derrière qui recasse euh, les 36 500, d'accord Donc ça, c'est pour notre ami Bitcoin. En vue semaine, il faut bien s'attendre à ce qu'on ait une correction qui va arriver, quoi qu'il. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est de la vue 4 heures, de la vue jour. En vue semaine, euh, même si ça nous donne un push là, ça réintégrera instant à mon avis, d'accord c'est-à-dire qu'on va sûrement avoir ça, hein. euh, voilà ça, et ça va réintégrer instant et peut-être comme ça. D'ailleurs, d'accord, peut-être comme ça. Peut-être que là, l'entrée la meilleure, elle sera là. Elle sera bien après, d'accord. C'est pas pour tout de suite. En tout cas, ça c'est une vue semaine, donc ça peut mettre deux mois. Hein. Je pense que dans tous les cas, fin d'année, c'est 40 000 plus. Voilà. Euh, et comme je vous ai dit, l'objectif déjà, il était d'aller aux 36 et 39 mais surtout euh, de casser le niveau des 48 49 000 d'accord ça c'est une vue moi donc ça viendra après bon ça c'est pour Bitcoin mais il y a beaucoup mieux que Bitcoin il y a Ethereum ok donc Ethereum euh, c'est hyper facile il va casser les 2200 les 2150 ok c'est c'est tranquille maintenant comment il va les casser en vue semaine ça ça va dépendre il peut nous proposer énormément de choses Ethereum déjà il est plus os... Il a, il a du retard par rapport à Bitcoin, mais il est plus aussi actuellement. Donc en gros, il compense son retard. Là, ce que j'aimerais. Bah, déjà, on est tous dessus. Hein, on n'a pas quitté le navire. Il y a un TP à 1905 qui a été loupé à 2 dollars près euh, aujourd'hui. Et il y a le TP final qui est à 2000. Parce que je ne peux pas vous mettre 12 TP en vous mettant un TP à 2200. Mais je suis toujours persuadé que nos TP, c'est l'heure. SL, et vu que les gens y mettent des SL à des prix psychologiques, où est-ce qu'ils ont mis leur SL 2008 dollars, on sait jamais, ou 2150, on sait pas, peut-être, on se protège. Bref, dans tous les cas, la majeure partie des gens sont en train de FOMO, partout sur les réseaux sociaux, enfin pas de FOMO, hein, mais ils sont en train d'être dans, dans une énergie de bull run. ils commencent à réaliser. Vous voyez, nous on a euh, déjà euh, presque euh, 20 jours d'avance. Sur eux. Donc, ils commencent à réaliser. Les gens, qu'est-ce qui va se passer psychologiquement Ils ben, ils vont plus vouloir vendre. Ils vont plus vouloir vendre. Ils vont avoir euh, peur de vendre. Vous voyez Donc, ça va encore augmenter les choses. C'est ça un bull run. Hein. C'est du FOMO. C'est ce que je vous avais dit. Je vais pas vous refaire live, mais dans tous les cas, Ethereum, euh, voilà, qu'il y a une correction là-dedans là. Hop, une correction là-dedans. Ça me dérange pas du tout. Hop, pas du tout. Ok Donc ça peut être... Euh, là, si par exemple Bitcoin venait à nous donner un 33 800, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais s'il venait à nous le donner, j'attends un Ethereum à 1820. D'accord À 1820, à titre personnel, j'ai un point d'entrée à 1770, je crois. Enfin. Euh, un quatrième trade à 1770. Excuse-moi, Asher. Parce que moi, je l'ai longue à 1500. À 1500, on l'a longue. Donc, un quatrième trade à 1770. Euh, J'irai peut-être le recharger. Parce que c'est un bull run, Asher. Tu diras à tes abonnés euh, dans trois mois qu'il faut racheter de l'EGLD et du Solana. Merci à toi, Asher. Donc, dans tous les cas, une correction là-dedans. Si casse le top ou pas on reviendra prendre un point ici euh, pour réaccumuler tant qu'il casse pas ce niveau donc c'est 2139 exactement voilà 2139 exactement la détente la détente et il peut le casser tout de suite hein. voilà s'il y a des débutants qui m'écoutent euh, s'il des débutants qui m'écoutent ne faites pas ce que je vais vous dire mais s'il y en a qui sont dans le club depuis longtemps, moi, mon, mon TP, mon prochain TP, c'est 2000. Voilà, je pourrais mettre 2005, 2006, c'est 2000. Voilà, j'ai pas euh, encaissé euh, de TP euh, là-dedans, je crois pas. Pas sur ce trade, j'ai encaissé 0 TP sur ce trade là-dedans euh, parce que qu'il est récent pour moi. Voilà, j'en ai, ai eu d'autres donc j'ai pas encaissé de TP, j'attends 2000. Peut-être que j'ai encaissé à 1860, je sais plus. Bref, c'est 2000 pour moi, ok. Euh, donc, la target c'est 2000, mais encore c'est une target. Je suis sympa, c'est à dire que j'ai envie d'encaisser. Et après les 2000, peut-être qu'il revient là, et je vais le relong. S'il revient pas et qu'il va à 2200 direct, bah tant pis, c'est pas grave. J'aurais déjà bien encaissé. Donc, déjà, c'est euh, un très bon indicateur que c'est pas du tout la fin, et même en vue semaine, <laughs> en vue semaine, c'est une farce, c'est à dire qu'en vue semaine, euh, il hein, faut bien comprendre que ça va proposer sûrement, pardon, quelque chose comme ça. D'accord Quelque chose comme ça, ça va nous proposer. Ok Donc, la suite, c'est... Euh, voilà, hein, on retourne... Euh, bon, 3000, j'exagère un peu, mais ce que je vous avais dit sur l'ancien live, 2800. 2800, on va, on va y retourner tranquillement. D'accord Ce n'est pas mon alt favori. Actuellement... Euh, bon, je ne vais pas vous dire c'est quoi mon favori, mais voilà, c'est pas mon alt favori. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est euh, très intéressant dans les coins qu'on a plus longs Yazen Zen, j'ai fait deux trades longs dessus, d'ailleurs j'ai été sympa, je vais quand même le compter pour la prochaine fois parce que faut pas abuser, j'ai mis deux trades longs et j'ai compté les TP que du deuxième à la moitié des TP. Je vais quand même compter les premiers parce qu'il y a des gens qui ont pris le premier. Euh, donc Zen, la target, elle est très simple, je pense qu'en vue euh, monthly, ça va ici. D'accord, donc c'est un coût de euh, 16$. Encore une fois, s'il y a des débutants qui m'écoutent, c'est du trading. Là, on ne parle pas de spot. J'en ai rien à faire de zen. Je m'en fous de zen. Je fais juste du trading. D'accord Donc, la target, c'est euh, 17. Maintenant, moi, en trading pur. Hein, on est rentré à 8,70$, je crois. 8,80$. Peut-être à 7 dollars, je ne sais plus. Là-dedans, on est rentré. La première target pour moi, à mon sens, voilà, c'est les 10,40$. Voilà, c'est ici 10,40$. La deuxième target, c'est 11,12$. Voilà, 12,43$ exactement. Et la dernière, c'est 16$. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ça un très gros trade. Ça fait, euh, je ne sais pas, 10 jours qu'on est dessus euh, chez les baleines ou, ou un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, on attend un gros up sur, euh, sur lui. Voilà. J'attends un, un très gros push sur lui. Là, il y a une énorme. Là, il va casser. Hein. Les 10-30, il va les péter. Hein. Là, il y a une énorme divergence euh, haussière pour moi, de structure. Il va les péter very soon. Là, c'est une question de jour ou de semaine. Soit il propose ça et ça et hop. Soit c'est instant de ça. Voilà. Ok. Dans tous les cas, euh, il sent très très bon. Il y en a un autre euh, que j'attends. Et après, je vais vous laisser me donner des coins. Je vais vous laisser me donner des coins pour que je les analyse. Euh, voilà. Alors Solana, je vous montre. C'est un peu technique. Alors ceux des baleines, ils ont déjà eu l'analyse. Mais euh, ceux qui font du trading ou ceux qui ne sont pas de la commu et qui n'ont pas encore encaissé 18 SMIC et qui sont en train de se poser des questions si on doit rejoindre, ils vont voir le niveau stratosphérique de l'analyse. <laughs> bon, je vais vous montrer ce que je vois en gros sur Sol, qui n'est pour l'instant pas du tout ça. Précisons-le. Sur sol, voilà ce que j'aurais aimé. Ok, alors, je suis en 4 heures. Est-ce que je suis bon en 4 heures Oui, c'est ça. Je crois que c'est en 4 heures. Euh... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, ce n'est pas en 4 heures. On va être en 1 heure. Voilà. Ok, alors, la ligne de tendance... Intermédiaire, pour moi, c'est une ligne de tendance intermédiaire, c'est celle-ci. Okay. C'est celle-ci que je vais augmenter. Voilà, que je vais augmenter ici. Pour moi, la ligne de tendance à peu près dessinée. Il y en a d'autres des lignes de tendance. Attention, c'est juste pour prendre le trade là. Moi, j'attends un retour ici. Donc, dans les 36, euh, dans cette zone là, des 36 dollars et des. Euh, alors, la zone exacte, c'est 36. 36, on va dire euh, 90 à 35 euh, 20, quelque chose comme ça. OK J'attends un retour là pour ensuite taper une continuation haussière là-dessus. OK Et pour viser les 48, il a toujours pas fait son height monthly. Quand il aura fait son height monthly, donc bien évidemment, il va pas s'arrêter à 48 le height monthly, il est à 48 80, je crois. Il va pas s'arrêter à 48 82. Il va faire 50, je pense, même 53 peut-être. Quand il va faire ça, À titre personnel je vends voilà moi je je solana j'aime bien ça peut aller très haut euh, j'en ai acheté à 18 dollars pas que j'y crois pas mais euh, à titre personnel ulis pomme pas Ulysses Ulistif. moi je, je vais en vendre peut-être pas tout mais je vais vendre ok euh, c'est déjà un, un quasiment un x3 je serais déjà très content d'accord euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que je pourrais dire euh, Bah pareil, on en a un autre. Vous avez dit qu'il pouvait aller jusqu'à 70, Qui a fait un énorme pump. Je vois partout sur les réseaux. C'est quoi la news H1 ah, nous l'avait pas dit. Comment ça se fait, putain Merde. Eh ben c'est pas la news, les amis. Ça c'est marrant aussi. à Chaque fois que je suis sur Facebook, il y a un pump. Deux choses qui se produisent. La première chose, il y a un mec qui fout son screen, il met <laughs> Ah les gars, je vous l'avais bien dit. Et il y a un autre mec en dessous qui met un commentaire Il euh, y a eu une news, c'est quoi l'actualité J'ai pas suivi. Un récap, please. Espèce de raclure de l'univers, que l'Empire le, que, que t'épargne, cloporte que tu es. Comment veux-tu Comment veux-tu, après des semaines d'accumulation comme ça, qu'il n'y ait pas un mouvement haussier Bien évidemment qu'il y en a un. Alors, aussi gros. Non Alors, ceux qui me disent, oui, non, mais c'est le Japon qui a acheté, c'est le Japon. Oui, oui, c'est le Japon, oui. Oui, oui, c'est le Japon. Bah, merci aux Japonais alors. Ils détiennent 100% des ULD. C'est graphique. Tout ça, c'est de l'achat. La première zone à casser, c'est ici. 69 dollars. C'est ici la première zone à casser. Donc, toi qui n'a pas fait 69 dollars, ce que je vous avais dit lors du dernier live, il hein, euh, y a encore du bail, il y a encore de l'achat. Et euh, alors, en trading, on va peut-être faire un peu différemment, hein, parce que là, aujourd'hui, il y a eu du FOMO, il y a eu machin. Mais on n'a pas fini de liquider. Hein. Euh, je pense que là, ça va accumuler en grande divergence. Attendez, je regarde un peu graphiquement. Il faudrait qu'il nous fasse un flat. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas un flat... Hein, C'est-à-dire c'est un retest de prix, soit au même prix, soit en running flat, soit extended, mais il fera pas d'extended, je pense pas, euh, en 4 heures. Voilà, je, je préférerais... Euh, pardon, 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 pas en 4 heures. Jamais de la vie en 4 heures, excusez-moi. Je préférerais qu'il fasse, voilà, en 1 heure, sur ce prix, un retour ici dans les 40, 39 dollars, pour aller chercher beaucoup plus, donc les 70, hein, après, derrière, voire les 80, parce que si le niveau c'est 70 à casser, bah, en plus, avec l'impulsion qu'il y a aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'on va sûrement aller plus que les 70. Donc, si vous avez le GLD et que vous en avez racheté lors du dernier live, donc c'est-à-dire ici dans les 24 dollars, et que vous en aviez acheté par exemple à 100 dollars, euh, votre break-even il est donc au 50. Non, pas au 50, au 70 à peu près. Donc, euh, donc à ce moment-là, vous voyez, ce serait pas bête de sortir une partie, sauf si vous croyez à GLD à fond. Et là, vous avez le droit d'y croire. Je n'ai pas parole d'évangile. Hein donc, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste, EGLD, long terme, pourquoi pas. Euh, 360 prochains jours, j'y crois pas. Putain, je commence à faire des, des punchlines maintenant. Euh, voilà, donc dans l'année, j'y crois pas. Long terme, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des coins que vous voulez que j'analyse J'en analysais trois. Alors, tout le monde veut Belle. Je vais vous faire Belle. Je vais vous faire Belle. Belle. Nier. XMR. Je vais commencer par ça. Belle. Nier. XMR. Donc, on a. Voilà. Le up va être très agressif sur celui-ci. Il est en pleine divergence jour. Ici. Juste dans ce petit mouvement-là, ce tout petit mouvement ici, il y a une énorme divergence en vue jour. OK Peu importe où il va, le pump, il va être très, très agressif. Donc, ça va être la cassure de ça. Hein. Des 0.71. Moi, mon TP, c'est 0.70. Voilà. C'est 0.70, mon TP, sur Bell. OK Si vous débutez, mettez un foutu TP dans ceux que je vous ai mis. D'accord Moi, j'ai mon TP. Je parle à ceux qui... Sont peut-être plus expérimentés. Mais voilà, ça va casser ça instance. Alors, en combien de temps Je ne sais pas. C'est une question de jour. Hein. Euh, on va y aller dans une heure. Ça va dépendre du Bitcoin aussi. Ça va dépendre du Bitcoin aussi. Ça, j'aime un peu moins. Ouais, ça, j'aime un peu moins quand même. Euh, sûrement, on va aller chercher peut-être le peu bas dans les 0,62, quelque chose comme ça. En tout cas, j'attends un gros pump juste derrière, d'accord dans les 70. Euh, à titre personnel, je ne le lâche pas. Hein. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'indique une énorme hausse à venir. Okay pas beaucoup de soucis là-dessus. Euh, Nir, bah, c'est très simple. On a trade le dip. Il y a quelqu'un dans, dans les baleines qui a 3000% en trade. Okay On longue ici. Ici et précisément, ici. Donc, il y a quelqu'un qui est un peu fou, qui a mis un levier 50 et qui est à 3000%. Voilà. Donc, Nir, euh, j'ai envie de dire, là, il n'y a rien à faire. Alors, ça, ça va recasser. Hein. Ça, ça va recasser. Ça, ça va recasser, mais c'est très, très propre. Et il retrouve des volumes. Euh, en spot, on en a acheté aussi. On en a acheté à 1,50, je crois, ou 1,30. Je ne sais plus. 1,30 ou 1,50. Et euh, 1,38, exactement. 1,38. Donc euh, en spot, c'était euh, 1,38, c'est ici. D'accord Sauf qu'on l'a acheté il y a longtemps. Hein. On l'a acheté là-dedans. Hein. D'accord 1,38. Hein. Donc euh, très très bon, très gros push. Euh, Vu semaine, ça go 4 dollars. 4 dollars, je pense. Il va retester les 3 dollars en, en vue semaine. Ok Il va retester ça. Là. Voilà, 2,88 dollars, il le pète. Hein. Soyons bien clairs sur ça. Okay. première impulsion, les gens ils vont pas vendre à 1,60$, ça reste très psychologique dans la zone des 2, 2, 5 ça va se batailler, ça va retester en dessous des 2 et ensuite on va partir à 3 euh, la psychologie simple et efficace, hein, juste de la logique rien de plus, donc en spot si vous en voulez pourquoi pas, euh, voilà moi j'en ai, ai pas mal euh, il m'a un peu dégoûté cette année avec aucun mouvement mais on peut être surpris sur des projets D'accord Voilà. Pour rappel, NIR, c'était l'un des projets, euh, pas que j'aimais plus, mais que j'avais. passé enfin, surtout en fait euh, que je l'ai beaucoup trade, euh, et je l'avais très bien pronostiqué, sauf dans cette zone. C'est-à-dire que tout ça, faut bien vous dire, attends, j'exagère, des 5 dollars, donc euh, 16 août 2021, à euh, ici, donc 22 août 2022, pendant un an, je lui ai fait une masterclass. Tous les jours, je l'ai tabassé. Euh, tous ces moves, vu jour, je les ai, euh, je eu. Donc si vous voulez, c'est une crypto que je suivais énormément et là, j'ai totalement arrêté de le suivre. J'ai quand même fait un long ici, hein, vous voyez, hein, j'ai eu le dip, <laughs> j'ai acheté le dip. Mais euh, en tout cas, j'ai acheté aussi en spot ici, mais j'ai pas acheté beaucoup, j'ai pas racheté beaucoup en spot. J'ai quand même acheté mon 600 en ir, mais je je c'est pas énorme, vous voyez par rapport à. À, à tout ce que j'ai pu accumuler dans des zones inférieures ici ou même ici, quand j'étais à 4 dollars, j'étais content d'en acheter. Donc, bon, bref, on s'en fout. Dans tous les cas, l'analyse de base, c'était juste pour vous dire, l'analyse de base, qui peut-être encore vraie, mais auquel j'ai un peu du mal à y croire émotionnellement, mais bon, c'était mon analyse de l'époque, c'était qu'on recasse les 22 dollars. D'accord C'est-à-dire que là, il y a 20 dollars et qu'on aille à 24. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être juste un gros extended, un gros. Un gros running flat ou en flat en vue weekly, comme la plupart des altes, comme d'ailleurs DOT qui valait à 6 dollars. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre serve AVE, Cadna. Alors, KDA, on va faire. C'est KDA. Hein. Bon, l'a pas trade celui-ci, je crois pas. Hein. Ah, il sent bon lui. Il sent bon, il sent bon, il sent bon en trading. Il sent très bon. Mais On peut pas le trade sur Bybit et sur BitGati. Lui, ça pump ça. Hein. Ça pump. On peut le trade ou pas ça Sur, euh, sur Bybit Je crois pas. Hein. Euh, lui, il sent très bon. Lui il sent très très bon KDA en trading j'aimerais bien le prendre. Oh là et il sent extrêmement bon. Lui tous les tous les jours il pète ça. 0,70. Donc c'est un hub de euh, 20%. Un hub de 20% à prendre sur lui, je pense. Voilà. En spot, euh, m'en fous un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah, je l'enverrai. Alors, si on peut le trade sur Bybit, je l'enverrai. NCT s'est ressorti plusieurs fois. Je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il a bougé depuis le dernier live où j'avais dit qu'il y avait rien à faire à part attendre euh, C'est NCT Premium Non. Il... Ouais, c'est ça. Bah, rien à faire du tout. Non, mais là, c'est Polyonex. C'est un scandale. Euh... Il euh, n'y a rien à faire. Aucun intérêt pour l'instant sur, sur le projet. Ça peut pump à tout moment, vous voyez bien. Mais il n'y a pas assez de volatilité, pas assez de move. Rien à dire de plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre Zil. Allez Zil, j'en ai pris un au hasard. Basile, il nous a pris 5 TP déjà. 4 TP, je crois. Donc euh, voilà. Pareil. Hein. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de TP. Il continue. Lui, lui continue. Hein. C'est là. Hein. Lui c'est là. Hein. 0.22. Hein. 0022 lui Il n'y a pas de souci. Lui, c'est une continuation de ouf. Et quand je dis 0,022, c'est pour dire qu'il va mettre sûrement un temps de pause. Parce que dites-vous bien que tous les altes qu longue, qui font des straight lines qu'on allonge qu qu quasiment au bottom ou en début, en tout début, dites-vous que là le push, c'est une première impulsion. Dès qu'il va y avoir une première correction, tous les gens ils vont rebailler, donc, euh, si vous venez d'arriver dans le groupe, soyez bénis des dieux, parce que les prochains mois vont être de plus en plus historiques. Quoi qu'il, en trading, on va se régaler. Euh, respectez quand même les TP. Ce n'est pas parce qu'il y a des TP6 qu'il ne faut pas encaisser avant. D'accord Quand vous débutez, c'est comme du scalping ce qu'on fait. On prend des profits au fur et à mesure. Si vous attendez un, un gros profit, c'est du day trading. Et du day trading, il faut être formé. D'accord donc, laissez le scalping euh, si vous n'y connaissez rien, comme ça vous prenez des petits profits partout, et ça ne changera pas énormément de choses. Et si vous êtes formé, bah, vous faites suivant ce que je dis dans le live, vous vous faites comme dans les baleines. Ce que je dis. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Flux. Allez, j'en fais encore deux autres après flux. Et je m'arrête sur ça. Bah la lune, hein la lune pour Flux, c'est une vue jour Ah non, c'est une, oh. une vue 4 heures. Et eh bien, c'est la lune pour Flux. C'est la lune, d'accord C'est au-dessus de cette mèche, 0.49. Heureusement, heureusement qu'il réagit comme ça. Ça fait plaisir. Donc là, tout simplement, ce qui est hyper intéressant, je vais vous faire un petit résumé sur cette crypto. Donc, on avait euh, buy euh, dans cette zone, je crois. Non, 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 non attendez, attendez. Qu'on a buy ici en spot et qui nous avait offert un x3, c'est ça, qui nous a offert un x3 dans les 12 derniers mois. Okay Depuis, elle a rechuté, elle est remontée à un x2 et elle a fait un plus bas. Donc ça, c'est magnifique parce que c'est une crypto auquel, euh, pour le coup, il y a beaucoup d'intérêt. Donc là, en spot, c'est dans les prix. Hein. S'il y en a qui s'intéressent à ça, c'est votre propre choix. Hein. Ce n'est pas un conseil financier, mais c'est un prix intéressant selon moi. Flux, gros projet. Bah, allez voir, euh, allez voir, mais c'est un, un énorme projet qui a pour but vraiment d'être... Euh, euh, dans le web 3, euh, quelque chose euh, à mon sens qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc là, le fait qu'il fasse un nullo, moi ça me plaît. S vu qu'il rebondit, s'il rebondissait pas, j'aurais été euh, comme Jordan, j'aurais dormi. Ok Et vu que là, il rebondit, qu'il me donne surtout ce volume-là, ce volume-là, c'est-à-dire que là, on est juste allé. En fait, faut comprendre que psychologiquement, Vu que c'est assez récent comme crypto tout de même, hein, c'est pas très vieux. C'est quoi 21, euh, décembre 21. Vous voyez, c'est pas très très vieux. Euh, donc cette crypto là, il faut bien comprendre que n'y y avait plus d'intérêt. Les gens arrivaient, voulaient pas acheter trop cher, Zeta. on allait chercher un prix plus bas pour voir si tout le monde allait avoir l'intérêt. Là, les gens n'ont pas hésité. Voilà. Une institution, où les gens, ils ont plus du tout hésité à ce niveau-là. Donc pour moi, flux, hein, bah ça recasse euh, combien on est là. Ouais, ouais, 4 dollars, etc. Moi, je veux que ça revienne ici, 4 dollars. Donc, c'est un potentiel x10 sur flux. En spot, en plusieurs mois, les amis. Hein. Euh, plusieurs mois, attendez-vous, pas 4 dollars dans, dans la semaine prochaine. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre XMR. Allez, XMR. Et puis, on va s'arrêter sur ça. Bah, XMR, c'est la lune aussi. C'est la cassure weekly qu'on est en train d'avoir. Bon, on en a acheté à 130. 130. Ici, je vous ai fait acheter. Ici. 133 dollars. Ici, les potos. C'est une vue semaine, une vue jour. Ici, je vous ai fait acheter. Ici, vous avez pu rentrer. Une, deux, trois fois, vous avez pu rentrer. Seulement trois fois. Vous avez eu seulement trois chances de l'avoir, le XMR. Maintenant, c'est fini. Et en, en trade spot, j'ai quand même remis un, un trade spot à 164. Là, il a retouché. Si vous avez mis un ordre, il a retouché. L'objectif sur le trade spot, je vous l'ai déjà mis, c'est 200 plus, euh, tranquille. Et l'objectif sur le spot, pour moi, c'est la dinguerie. C'est-à-dire que là, en vue semaine, on est en train de craquer. Voilà, une simple ligne. Une simple ligne en vue semaine. Voilà, que vous ne voyez peut-être pas très, très bien une simple ligne qui me suffit qui est donc hop celle-ci voilà je l'ai un petit peu mal tracée j'ai pas pris les bougies machin truc mais il y a une ligne je sais plus exactement où mais dans cette zone et euh, là en vue semaine on la voit peut-être un peu moins peut-être qu'en vue jour on la verra mieux attendez voilà <laughs> et après on va nous dire que c'est pas un bull on va nous dire non, non, euh, attendez un peu les gars, euh, j'ai besoin de, de <laughs> besoin de faire un poste sponsorisé avec Ledger. Je ne peux pas vous dire tout de suite d'acheter, attendez un tout petit peu. <laughs> voilà ce qu'ils vont vous dire ces autres euh, cloportes là. Donc, pour résumer, le marché va continuer de monter. Euh, on va continuer de longue. On va faire très attention sur Bitcoin parce que j'attends une correction. J'en attends une. Ça ne veut pas dire qu'elle va venir. Et je pense même qu'au vu du graphe actuel, elle n'a même pas l'air de vouloir venir. Mais je réitère je ne prendrai pas le trade en cours là. Je ne le prendrai pas euh, au prix où il est. Ça ne m'intéresse pas. S'il ne vient pas me chercher, je squeeze ce trade et j'irai sur autre chose. Et notamment, bah, peut-être un autre trade sur Zen pour ceux qui sont partis. Et peut-être un autre trade aussi sur Ethereum. D'accord voilà les amis, euh, passez un bon dimanche, on va encore se régaler et puis euh, toute la semaine euh, bah, je compte sur vous hein, pour partager l'information au monde entier, euh, aux communautés, aux amis, aux collègues, aux enfants, à tout le monde quoi. C'est par ici que ça se passe. <laughs> à bientôt, les